C'est reparti. Alors, on va faire les persos et après le perso et le boss et après on verra quel jeu de points de chaîne on fait. Tainted Judas. Il va où? Ah, on est re sur... Non, on est sur The Lamb. The Lamb. Ok. Alors, attendez, comment on fait? Addiction. Voilà. Donc, fiction 2 minutes. Vous pouvez dépenser vos points de chaîne pendant 2 minutes et prendre les paris. Est-ce qu'il y a le A+ dans la run qui apparaît? Oui ou non? Voilà. Et vous pouvez balancer vos points de chaîne. Le défi A+. Pendant ce temps, je prépare. On a dit que c'était Tainted Judas. Hein. Et que c'était The Lamb, l'objectif, c'est ça. Go jouer la cote. Allez, 11 000 contre 10 000. La cote est à 50-50. Hein, les jeux. Vous savez que je commence sur AXL. Voilà, les gens qui ont attendu ont une info de plus. Vous savez qu'il y a un AXL. Je sais pas si ça change grand-chose, mais... Vous avez l'info bonus. Pouet, pouet, pouet. J'essaie d'avancer doucement comme ça. Vous pouvez pas trop attendre le dernier moment pour parier. Ça fait toucher, il y a un tactical RPG en final winner. Ce sera pour mes coéquipiers. Il n'y aura que des tactical RPG. Non mais en plus là où j'ai eu le seum c'est juste que j'avais compris ce qu'il fallait faire. C'est juste que... J'avais emmené des persos sur la case et évidemment j'avais pas emmené le bon perso. En plus au tout début... Mon perso il fait un miss. Alors c'était pas de bol parce que les coups d'après j'ai pas fait de miss. Mon perso il fait un miss sur un ennemi. Après l'ennemi me tape et il y a une petite cinématique pour dire des trucs. Moi j'étais en mode... La cinématique c'est genre pour me dire faut pas se battre. Tu vois. J'ai fait un miss, j'ai pris un hit, mon perso s'est retrouvé au sol. J'ai une cinématique. Bon, il faut que je me barre. Et comme j'ai tout fait pour me barrer, j'étais là genre, putain, ça marche pas. Du coup, pas de bol, quoi. Sur un miss au début, j'ai tiré des conclusions qui n'étaient pas les bonnes. C'est pas grave. On a gagné. Le pari est terminé, ouais, c'est bon. Je peux bourrer maintenant. C'est bon, je peux me faire toucher maintenant. J'ai pas vu les résultats d'ailleurs. J'ai pas vu si vous étiez plutôt chaud ou pas chaud. Confiance ou pas confiance. Ok. Booker's Room. ...40% confiance. Ah, ça va. J'accepte. J'ai fait ça pour avoir la compassion du chat hier. Je voulais que les gens se disent « Oh, le pauvre pingouin. » Et du coup, j'ai pas du tout... En fait, j'ai fini. J'ai quand même fini, mais j'ai pas vu la mission 2. J'ai eu mon stop au moment où je marchais sur la case. Comme il faut, quoi. Du coup, j'ai pas vu la mission 2. Je sais pas si j'imagine que toutes les missions n'étaient pas des missions d'escorte. T'as pas joué la cote. Aïe aïe aïe.
Il y a une rediff sur la chaîne de Sejouf. Casseur de côte. Oh, je me demande si on prend pas juste un petit cœur bleu comme ça, là. Après, c'est tuer tout le monde. Parce que tuer tout le monde dans la première mission, ça m'a pris du temps, hein. Oh, j'avais pas vu le trinket. Zut. Un bon trinket, c'est dommage. Ouais, bon, Unicorn Storm plus Dark Arts, c'est un petit peu doublon. Je pense que, ouais, j'ai pas grand chose à en faire. Pour l'instant, j'ai pas de combinaison avec mon Unicorn Stomp. Rien qui fait que ce serait intéressant d'utiliser. Même les Curse Room, bah, je peux les faire avec Dark Arts. Ok, attention, ça le boss là. Par contre, je peux Unicorn le temps que mon Dark Arts se recharge. On peut Dark Arts pendant Unicorn Stomp aussi, je sais pas. Oh! Il a rushé un peu trop là. J'aime pas ça. Les A+, en sueur, là. La team A+, en sueur, là. La team oui. Je pense que je vais en Angel, non? Ouais, je pense que je vais en Angel. Alors petit rappel, hein, le A+, même si je ne me fais pas toucher à cet étage, n'apparaîtra pas ici. Car XL ne compte quand même que comme un étage. Et donc il faut encore que je fasse deux étages entiers sans me faire toucher. J'ai pas de bombe, donc c'est mieux mon autre trinket. Okay. J'ai vraiment moult clés, ça c'est bien. Le ragoût. Ah, une cuisine. On la reconnaît cette carte? Vous la reconnaissez cette carte? À l'aide. Par contre, si j'ai un reset d'étage, le A+ apparaît à l'étage reset, non? Ça compte quand même, je pense. Ce serait bizarre que non. Les ribs, la slip trib là, qui tourne autour de moi, malheureusement ça ne combotte pas non plus avec le Unicorn Stomp. Non, si tu utilises une salle de dés qui trisette un étage ou Forget Me Now, ah putain, l'étage que ça va te donner, c'est pas forcément excellent. Bon bah maintenant il faut faire 3 étages. Après ça c'est déjà vu hein, que je me fasse pas toucher. Surtout que je joue Angel et on peut toujours tomber sur Holy Mantle derrière, donc c'est déjà vu de pas avoir
de touche. J'ai même une fois eu le A+ à la fin au chest. Donc rien n'est perdu. Mais c'est pas gagné. On va le dire comme ça. Pas mal ça. Je me souviens plus s'il y a un bail pour faire péter ces cons là. Si je l'ai au chest, oui, non mais en Dark Room c'est pareil. Vous avez compris. Faites pas semblant. Faites pas semblant. Vous avez compris. Je vais quand même les péter, non ? Ça me donne des chances. Ça augmente mes chances d'Angel. Et d'ailleurs, c'est Jouf. Est-ce que t'es surpris des résultats de notre équipe à la tondeuse ? Bon, nous, on savait évidemment, quoi, voilà, mais. Il se la pète. T'es pas. J'ai pris que des gens top tier dans l'équipe. Ah, le vol, c'est mieux déjà. Que le unicorn stomp. Petit poney. Petit poney, let's go. Petite couronne aussi, let's go. Non, sale bête. J'ai même envie de faire l'ange. Une histoire pour la finale, oui. Oui, en fait, je me suis dit, comme il y a le loser bracket, on a deux chances, nous. Aller en finale. Ce qui est un peu... pas triste, mais... c'est-à-dire que si on va en finale, on ne pourra pas avoir Shigan. Il ne peut pas être là. C'est quand même dommage. Je suis en train de me faire bolosser là. Ok. J'avais encore plein de cœur. Ok, à partir de maintenant, je me fais plus toucher pour la team A+. Les gens qui ont joué la cote seront-ils récompensés ? Par contre, je joue les pilules. Après, les pilules, même si c'est une bad trip, ça déclenche jamais le... ça déclenche jamais le dégât du A+, hein. Ça compte pas. Pas d'inquiétude, ça ne compte pas. Pas mal ça. J'ai quand même peut-être assez de bombes maintenant. Je peux prendre du pognon maintenant. Pas dégueulasse ça.
Bon, j'ai aussi beaucoup plus de dégâts déjà maintenant. La couronne va aussi buffer les dégâts du Dark Arts, donc c'est vraiment de quoi faire en dégâts. Il y a une sacroom, on reviendra peut-être, mais c'est que si j'ai assez de cœurs qui traînent. Vraiment que j'ai pas mal de cœurs pour en pouvoir en profiter, ou alors Scapular à la limite, mais... Là, comme ça, ça suffira pas tout seul. Tant pis. Chicken, il s'en est permis niveau doigt. Et apparemment, il devait spammer pour tirer. Et du coup, c'était pas possible, quoi. Est-ce qu'il donne encore plus d'or? Bah, je pense qu'il donne deux fois les chances d'avoir... En fait, le trinket de base, c'est genre 50% de chance de doubler les... De doubler les pièces. Et quant à la Mom's Box, ce trinket devient... Bah, le proc s'applique deux fois de suite, en gros. Donc chaque pièce, tu peux avoir entre une et trois, du coup, ou quatre. J'ai un doute si c'est entre une et trois ou une et quatre. Et tu peux quand même avoir qu'un. C'est juste ça réduit grandement les chances d'avoir qu'un. Supercopter. À chaque fois que j'entends ça, j'entends Supercopter. Supercopter. Donne les thunes. En tout cas, je sais pas combien il donne, mais j'ai 55 balles quand même déjà. Et mon shop était vide. Alors, c'est grâce à mon shop que j'ai eu 50 balles, c'est-à-dire. Oh, un objet défensif. Encore un pour la team A+. Incroyable. Incroyable, incroyable. Je suis en train d'afficher à combien de hits je vais mettre dans ma sacroom si j'en mets. Et je pense que je vais en mettre. En tout cas, j'ai encore un cœur bleu qui va tomber. Est-ce que je fais ma challenge room? Je pense que oui. Ça, ça me fait chier. Bon, c'est pas grave, je viendrai remettre une bombe. Faut que je sacrifie un HP d'abord avant de prendre ça. Tu vas pas te faire toucher de toute façon. C'est vrai que je vais pas me faire toucher pendant 3 étages, puisqu'on va avoir le A+. J'ai pas fait deviner de film aujourd'hui, mais j'en ai pas, puisque j'ai fait deviner mes films l'autre fois. Les films que j'avais vus, je les ai tous fait deviner d'un coup. Et le chat a trouvé très vite. Faut que je remette une bombe pour ouvrir la porte. Ah d'ailleurs, je crois que je peux pas l'ouvrir, je suis con. Ah si, je peux. C'est quand il y a grid que ça marche pas. Quand il y a grid qu'on peut pas. Un peu relou celui-là qui fait apparaître beaucoup de trucs là. C'est bon. Ah! Un peu casse-couille toi quand même. Du coup, j'ai mis un hit, deux hits dans ma sacroom. Je peux vider un petit peu mes HP, je pense, c'est ok. Pour la... Alors, la TP Angel serait bien, et l'objet d'Angel serait bien. Ça, c'est pas une secret, parce que j'ai déjà ma secret. Là, je peux avoir la TP et l'Angel qui serait bien.
Là, c'est les bombes. Et là, on croise les doigts pour avoir les cœurs bleus. Full life. Let's go. Let's go. Pas mal. J'ai toujours ma Wheel of Fortune hein, sur moi. Je pense que je vais l'oublier et qu'à la fin, je vais faire une connerie. Mais bon, c'est pas mon genre. C'est pas... Oh, Curse of the Lost. Ah, putain. Je pensais pas qu'il allait tirer aussi vite. Bon, moi, je m'en fous. C'est pour les gens qui ont mis leurs points. Moi, je m'en fous. Go. Go. Ah je... Bah alors. Bah alors. Comme tout à l'heure, là. J'ai pas beaucoup d'objets à reroll. Après, j'ai la couronne qui est bien, mais tout le reste, c'est de la merde. Donc c'est chiant de perdre la couronne. Mais je risque pas de perdre des vrais gros objets, quoi. Bon, le bébé sac est bien, mais... Que du défensif. Ok... Bon, si je D4, on veut évidemment faire d'abord tous les shops, les machins, tout acheter. Ça, on peut le prendre après. Ça me fera toujours de la régène. Le D4 devrait pas virer mon poney, mais bon. Chiant. Meurs. Alors j'ai eu une Wheel of Fortune qui a reroll quelque chose. Les items. En caca. Pas mal. Oh! Ça, par contre, c'est de la balle. Attendez. Bon, il y a que de la merde, mais sinon, c'était prometteur. Ah, c'est con de le reroll aussi, parce que c'est un bon objet. Hein. Et comme je suis con... J'y vais, non? C'était où? Oh, j'ai Dreamcatcher! Incroyable. J'ai des projectiles, des trucs qui me tournent autour. Ça peut être sympa. Ah oui, c'est vrai que j'ai le Better Dark Arts aussi. Ça, c'est cool. Mais bon, voilà, comme prévu, hein, j'ai pas beaucoup de stuff avant, j'ai pas beaucoup de stuff après, donc on s'en met. J'ai skippé mon Dreamcatcher, bien sûr. Non, mais ça aurait été dommage qu'il serve à quelque chose dans cette run. Ça aurait été dommage.
Alors lui, avec le pola, on peut revenir... Oui, mais je dois prendre le négatif. Rien dit. N'écoutez pas. Il est vraiment bien ce Better Dark Arts par contre. Hein. Même des bons dégâts. Hein. Encore toi. C'est pas vraiment le mendiant qui m'intéressait là. Je pense que je peux essayer d'ouvrir la secrète en même temps. Yes. Un peu embêté parce que j'ai pas grand chose à faire dans cette salle, dans cette zone là. Paris sur Dreamcatcher serait trop facile, c'est vrai. Faudrait que je donne à un mendiant, j'ai 3 cœurs qui traînent, donc je peux donner 3 cœurs entiers. Oh putain, bah, désolé la team a plu. Je prends vraiment les pires hits. C'est un gacha. C'est vrai que j'ai beaucoup de pognon, donc le gacha. Pas mal. Il serait pas mal. J'ai la mouche. Si j'ai beaucoup de cœur et la mouche, normalement, je peux faire n'importe quel boss, mais... C'est vrai que c'est quand même dommage. Après, si j'ai très peu de dégâts, et que la mouche, elle risque de proc trop souvent. Il y a une autre sac room. Donc, ce sera probablement plutôt sacrifice room, du coup. Oh, attendez, Son of Forgotten, Sacrum, bim, pas tous. Ça, c'est la Sacrum gratos. Hein. Le bébou. Et les cœurs. Niveau PEV, ça va, je suis remonté full vie. Je suis remonté à la vie que j'avais. Et il me reste encore les cœurs dans le reste de l'étage. J'ai 2 sur 3 conjoined aussi. Alors, est-ce que tu donnes ? Encore un ? Un petit truc. La merde. Et le gacha, on a dit. Peut-être le gacha. Je pourrais donner à lui, mais bon. J'ai autre chose à faire. J'ai pas trouvé ma secret. Voilà. Une chaussette. C'est pas mal. Mais du coup, j'ai redé cœur. Je peux redonner à l'autre là-bas. Vite! Vite! Allez!
Ouais, je devrais pas utiliser pilule. Je suis en mode si c'est une chariote ou quoi, mais non, je devrais pas. Je devrais pas parce que là, télépise, c'est chiant. Pas forcément, mais c'est potentiellement chiant. Ok, bon, bah on y va. On pose. C'est parti. Je suis nulos. Une réaction zéro. Hein. Allez, les petits potes. Oh là là, les mouches. Un taf incroyable, on prend ça. On descend. Ça va commencer à être critique pour le A+, on va pas se mentir. Pas fini, mais ça commence à être critique. Là déjà c'est cool. Pourquoi tout le monde est stun au fait? Ah j'ai le le morceau de métal. Attendez, j'ai les chaussettes. Je peux marcher sur les pics là. Faut s'en souvenir parce que ça peut être utile. Hein. J'ai peut-être raté les optis et l'étage d'avant d'ailleurs. Alors là, je vois pas Maker. Si jamais il y a un DD qui s'ouvre, je sais pas ce que je peux payer. Mais j'étais full vie ou quasi, non? Pour toi, la team A+, je ne fais pas cette diagonale. Après, le DD est nul à chier. Donc, je prends rien. Oh, nul. Alors, le mieux du lot, là, c'est presque la death list. Monical Power, c'est vrai que j'ai beaucoup de pognon. J'avais assez de cœur, on est d'accord. Je me suicide pas, là. Plus 3,40, c'est mieux que rien. Et que c'est pas non plus la folie. J'ai chaussettes. 3 secondes plus tard, je bombe pour éviter les pics. Pour moi, c'est comme le Dreamcatcher. Y a pas d'info. En fait, t'es mécaniquement formé pour faire tout le temps la même chose. Du coup, quand t'as un objet qui te permet de ne pas le faire, tu l'oublies, quoi. Mon corps ne me répond plus, il joue tout seul. Faut que je cherche secret et super secret aussi. Hein. Quand les ennemis meurent et qu'ils se splittent en larmes et que j'ai l'impression que je vais prendre un hit, ça me fait un peu peur. Je pense que ça aurait ouvert la porte là. Ok. Peut-être j'ai juste été nul à chier.
Est-ce que ça aurait ouvert la porte? J'aurais dit oui quand même. Chimophage. Ça peut être là par contre. Je l'ai explosé. Oui, bah le DD, on s'en fout. C'est la musique de MGS, non? Oh! Oh! Incroyable! Tant de stuff. C'est le thème de MGS. Ah voilà. Pas fou. Ah. Salle de dé là. Incroyable. Parce que ça m'a bien boosté mes dégâts quand même. Je sais pas si ce hit il compte dans le A+. Ça je peux pas vous dire. Ça je ne peux pas vous dire. Ça je sais pas. Merci pour le follow, bienvenue. C'est les Azazol. Oh, c'est bien. Ça c'est très très bien. En fait, ce que j'aime pas du Money Call Power, c'est que je peux plus dépenser mon argent dans rien. Pas que ça me donne 3,40. 3,40, c'est très bien. Mais j'ai pas vraiment 3,40. J'ai 3,40 à condition d'être tout le temps full thune. Je suis à Womp, donc il y a moins de chances que je dépense mon pognon. Y a des, ça, c'est clair. Mais... Et quand même. S'il y a un mendiant ou un truc comme ça, je peux pas lui donner, quoi. Par contre, ça m'étonne que ça m'ait donné que 0,70 là. La. Les robes. C'est quand même un gros damage up normalement. C'est genre plus 1,5 ou un truc comme ça. En théorie. Trop tard pour le silver dollar. Je peux donner le pognon si y en a qui traînent sur le sol, c'est vrai. Là par exemple, il y en a un peu. Enfin, c'est juste. Écoutez, j'aime pas Money Equal Power. Je suis de gauche. Je pense que l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis pauvre. Donc voilà. Pas pauvre en plus. Je ne me plains pas de ma situation. Ok. On descend. Alors que pony égale bonheur. Je pense que j'aimerais pas avoir un cheval, non? Ou un poney. Je saurais pas quoi en foutre. A plus égale bonheur. Alors il faut pas que je me fasse toucher, hein. Plus jamais je dois me faire toucher.
Mais... Bah on prend ça, je pense, quand même. Ça nous donne un petit brimstone sympa, là. Sulfure égale bonheur. Sulfure égale ok. Mais c'est que 3 salles. Enfin, c'est que toutes les 3 salles. Mais oui, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, j'ai un bon débit de l'arme, donc c'est cool. Ah, Brown Nugget, ça va rien, ça c'est sûr. Et la question que je me posais plutôt, c'est à quel point mon build en Brimstone... Oh, j'ai eu un réflexe, là, de mettre mon Dark Arts. La question, c'est à quel point le Brimstone est mieux ou pas que... mes larmes, je vais finir ma phrase, c'est bon, je vais essayer. Ok, j'ai peut-être une porte de sortie pour toi, la team A+. En la présence de cette carte empereur, qui me permettra de ne pas faire l'intégralité de ma dark room. Alors faut déjà pas que je me fasse toucher de cet étage, mais si je me fais pas toucher là, plus que j'arrive à faire tout le boss sans me faire toucher le boss après. Avec l'empereur, au moins, ça m'évite de faire une dark room dangereuse. Ok. Alors. Donc, dans l'idée, ce serait The Devil ici, Sulfure. C'est bon. Oh, il est là! J'avais mal compté. Ben voilà, il est là. Easy. Hop. On l'a vu. On l'a vu. Vous voyez, ça peut toujours tomber. À tout moment. Je vais quand même prendre mon empereur. Les os vos points. Les non-believers, là. Le hit du coffre piégé qui compte pas. Ouais, bon, ça, je m'en doutais. Mais j'avais mal compté parce que je pensais m'être fait toucher à Womba. Là, ça veut dire que j'ai pas pris de hit à Womba, Womb 2 et Shallow. On va le prendre, du coup. Pour essayer de finir avec. Alors, je suis pas obligé de finir avec. Je vous le dis. Commencez pas à réclamer des trucs. Si je me fais toucher... est-ce que... Ouais, mais du coup, est-ce que je veux pas charger mon sulfure quand même pour le boss? En faisant deux salles. Putain, j'ai encore claqué mon Dark Arts, mais par réflexe de ouf, là. Hein. Moi, je prenais un dégât, là. Hein. Plein de données. Oui, oui, non, mais t'as bien fait. De toute façon, y a pas de... Voilà. Y a pas de... c'est mort. Ripple à plus, mais on l'a eu. On l'a eu, c'est tout ce qui compte. La prédiction de chaîne, c'était ça. J'aimais bien quand ils étaient alignés les deux là. C'est sympa.
Nope. On termine. Cal. Cal qui se fait bananed. Les os. Avec plus. Et avec le A+. Donc pas mal. Pas mal quand même, finalement. Enfin, ça va, quoi.